Bonjour à tous, une nouvelle recette au multicuiseur, mais cette fois-ci c'est une soupe, attention une soupe complète puisqu'elle contient outre des légumes, des pâtes mais aussi des protéines. Pour les réaliser, vous aurez besoin d'un demi-céleri rave coupé en cubes d'un centimètre, un bulbe de fenouil que j'ai ciselé en morceaux, deux blancs de poulet coupés également en dés, deux gousses d'ail coupées en petits morceaux, 2 cm de gingembre taillé en baguette, des carottes en cubes, des haricots verts coupés en tronçons d'1 cm, 120 g de pâtes qui tiennent bien à la cuisson, ainsi que du fond de volaille. En résumé, ce qui vous prendra le plus de temps dans cette recette, c'est de tailler tous vos légumes, parce que une fois que c'est fait, vous mettez le poulet et tous les ingrédients dans la cuve de votre multicuiseur. Vous ajoutez 1,5 litre d'eau. Concernant le fond de volaille, j'en ai mis une petite cuillère, mais vous pourrez en mettre un peu plus. On termine donc par les pâtes, on remue. On ferme le multicuiseur, on engage la soupape, on sélectionne le mode de cuisson volaille, on ramène le temps à 12 minutes, on appuie sur démarrer et le tour est joué. À la fin de la cuisson, on arrête le multicuiseur, on lâche la pression. Il ne reste plus qu'à dresser votre soupe dans les bols de service, à décorer ou pas avec quelques feuilles de persil et de servir. Voilà une soupe généreuse et bien complète. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!